Bonjour à tous et à toutes, bonjour mes amis, bienvenue pour un tirage spécial qui sera un tirage qui va approfondir ceux du mois de novembre. On va faire un petit tirage du 1er au 15 novembre pour le début de la période. Pour chaque signe astro, vous allez voir un petit peu de manière, voilà, comme je vous ai dit, plus approfondie ce qui peut se passer, les nouvelles, parce qu'on est en plein dans la période où on va commencer le mois de novembre. Et on va regarder quel signe sera aujourd'hui. Je vais faire deux signes. On va prendre celui-ci et celui-ci. Alors, bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci de vous abonner. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour me soutenir. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Même si j'ai peu de vues toujours, vous avez vu, hein. Mais j'espère que ça va remonter, que ça remontera gentiment. Donc, n'hésitez pas de regarder, de partager, de liker, de commenter. Vos gentils commentaires m'aident beaucoup. Communauté Facebook m'aide beaucoup, donc abonnez-vous, cliquez la cloche et mettez vos commentaires. Et surtout, le plus important pour moi, c'est quand même que ça résonne juste pour vous, les tirages que je fais. Alors aujourd'hui, on va regarder qui j'ai tiré, les cancers. Je crois que je les ai fait il y a pas longtemps, mais c'est pas grave. On va voir plus en détail ce qui se passe ce début novembre, chers amis cancers. Donc prenez-le comme du 1er au 15 novembre à peu près. Et ensuite, je ferai un petit tirage du 15 au 30. Pour avoir plus de détails aussi. Alors, on va utiliser le petit Lenormand pour les cancers du 1er au 15 novembre. Qu'est-ce qu'on a comme information? Les cancers du 1er au 15 novembre 2021. On va faire une partie amour, une partie sentimentale en même temps. 1er au 15 novembre 2021. Alors, on va prendre 1er au 15 pour les cancers. 1er au 15 pour les cancers. Hop. Prendre 8 cartes. Alors, le dos de deck nous parle de fidélité. Fidélité. Est-ce qu'on a été fidèle avec vous? Vous êtes protégé. Hein? Fidélité, amitié autour de vous ou problème. Si ce n'est pas quelqu'un qui est fidèle ou loyal à vous, c'est l'inverse. On nous dit avec l'étoile que vous allez peut-être le remarquer. Vous allez être aidé à découvrir peut-être une difficulté, une problématique au niveau de la loyauté. Ah bah regardez, tout de suite, il y a quelque chose qui se termine. Comme beaucoup, hein, on est au début de mois, en novembre. Là, on nous dit qu'il y a une situation qui se finit totalement, complètement. Cancer. Et vraiment un arrêt. Alors que ce soit relationnel, etc., on va voir par la suite. C'est que vous avez réussi à dépasser un gros, 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 une grosse montagne, un gros problème, une grosse problématique qui s'était mise, qui était dans votre vie. Effectivement, avec les chouettes, ça nous parle de jalousie, ça nous parle de discussions derrière votre dos, de mauvaise ambiance, de gens jaloux. Et puis, on a un renouveau. Un renouveau, besoin de méditer, le soleil qui revient et des nouvelles qui arrivent. Donc, ce début novembre, il est positif pour les cancers parce qu'on voit que vous terminez une situation qui était très difficile, que vous avez dû surmonter vraiment la montagne, grimper, dépasser, comprendre ce qui s'était passé, parce que parfois on ne veut pas voir les choses, hein, aussi. Ça se termine ce début novembre, donc vous pouvez bien sûr vous baser sur les tirages de novembre. Ça dépend s'ils ont été clairs ou pas pour vous, peut-être pas, hein. Mais donc cette situation se termine. C'est une situation, j'ai l'impression qu'on vous a trahi, où il y a eu un problème de fidélité. Exactement ce que je vous ai dit au début avec la coupe. Mais grâce à vous, ce début novembre, on voit vraiment l'amélioration. Alors vraiment sur ces lignes, je ne pouvais pas tirer plus juste les cartes les unes après les autres. Ensuite, on nous dit qu'il y aura une renaissance. Vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez renaître à vous-même. Il y aura un renouveau. Donc, à quel domaine, je ne sais pas vraiment, là. Mais ça peut être, bien sûr, pour l'appartement, parce qu'il y a comme le lieu de vie. Ça peut parler de travail. On quitte un lieu de vie pour renaître ailleurs.
On peut quitter une personne qui n'a pas été bonne avec nous. Il y a peut-être une naissance d'un enfant. Et en tout cas, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle jeunesse qui se profile aussi pour vous. Vous retrouvez vraiment un élan de nouvelle jeunesse. On nous demande de vous, oui, de méditer, de vous retrouver avec vous-même, de comprendre la situation, de vous poser. Ici, c'est la prière, la méditation, la réflexion. Et il y a du bon qui arrive de ce début novembre avec le soleil. Donc, par rapport à un domaine qui verra des nouvelles arriver, vous allez recevoir des nouvelles, hein, des courriers, peut-être pour un travail, pour un appart, pour une nouvelle relation, un nouveau lieu, un nouveau projet, va vous permettre de repartir sur une renaissance, sur une nouvelle jeunesse, quelque chose de positif, de bienveillant, qui vous fera du bien. Parce qu'en plus, ici, avec la carte du soleil, c'est un petit peu l'accomplissement de vos désirs, la réussite de ce que vous aviez désiré plus tôt. C'est vraiment un mieux-être dans votre peau aussi. Il y a peut-être une histoire de trahison, hein. Donc ça peut être vraiment dans le sentimental. On va voir avec la petite carte du sentimental. Mais là, je sens qu'il y aurait. Vous avez fini de dépasser ces problèmes. Mais il y a eu quelque chose de caché, des choses qui ont été faites ou dites derrière votre dos. Et ça se termine, hein. Ça se termine, c'est ces trois premières cartes. Ça se termine. Donc soyez rassurés. Peut-être grâce à vos efforts, où ça se fait naturellement. Mais il y a une belle renaissance. Et surtout, on reprend du poil de la bête. On a confiance en soi, on rayonne à nouveau. Il y a une nouvelle jeunesse. Il y a vraiment cette notion de renaissance, de nouvelle jeunesse. Après quelque chose de lourd, vraiment jouer à la montagne, quelque chose qui a été difficile à vivre. Et puis grâce aux nouvelles qui arrivent, on va vous apporter cette possibilité de renaître, à vous de renaître, oui, de renaître à une situation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Après, vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire quand il sortira, vu que c'est une petite vidéo. Quel serait le domaine pour vous, cancer? Ici, je n'ai pas le domaine même, mais il y a du courrier qui vient, si vous attendiez, qui vous permettra ce renouveau, cette nouvelle jeunesse. Le plus difficile est passé, début novembre, c'est super. Donc sachez que pour beaucoup, les karmas se terminent, hein. Alors, les cancers, on va demander pour l'amour du 1er au 15 novembre. Cancer, 1er au 15 novembre. 1er au 15 novembre pour les cancers. J'aime bien ces cartes du petit Lenormand, elles sont très claires. Mais il y a vraiment cette notion de renouveau, nouvelle jeunesse. Vous sentirez revivre là. Bon, je voulais faire la coupe. Un amour sincère après une trahison. Ouais. La trahison, ça peut être ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des choses cachées derrière votre dos, des problèmes d'infidélité. J'ai le serpent à la coupe. Donc ça peut concerner le côté sentimental et un amour sincère qui revient. Une relation karmique ou un karma que vous avez vécu. Les cancers du 1er au 15 novembre. On va les mettre comme ça. Bah, il y a, ouais, étonnamment, la renaissance, elle ressort. Gestation, renaissance, événement naissant qui se prépare. Donc, il y a aussi un renouveau au niveau sentimental. Il y a eu des mauvaises énergies parce qu'on vous dit qu'il vous faut nettoyer. Donc, dans votre vie sentimentale, nettoyez autour de vous, purifiez ou protégez le couple si vous êtes toujours en couple. Il y a une histoire karmique ici à régler. Il y a peut-être eu de la jalousie ou de la tromperie. Hein, je ne sais pas si vous restez avec ou pas, vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais votre amour, il est sincère parce que vous êtes basé sur une relation d'âme-sœur. On me dit que ça peut être un signe d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelque chose qui va peut-être se résoudre complètement en période hivernale, donc bientôt. Il y a un renouveau, il y a une renaissance. Donc il y a la cigogne, la naissance, la gestation, ça peut parler, la naissance d'un enfant, la naissance, la renaissance d'une relation amoureuse.
Oui, l'arrivée d'un enfant, la préparation d'un nouvel amour. Je vous ai parlé de renouveau là, un éveil, une renaissance, une nouvelle jeunesse. Et si vraiment vous partez sur une nouvelle relation, nettoyez l'ancien. On est dans l'importance du nettoyage, de la purification, donc des anciennes énergies. S'il y a eu de la jalousie ou de la tromperie, parce qu'on nous dit de protéger votre couple, mais je voulais montrer à la coupe, il y a bien eu le serpent. C'est possible que ça touche ce domaine amoureux. Je dirais purifier les anciennes énergies avec votre passé au niveau amour, jeter les affaires d'une autre personne toxique, purifiez-vous ou brûlez sa photo, brûlez ses affaires, faites quelque chose dans ce sens, des rituels, nettoyage de purification, protégez-vous. C'est important, donc si ça sort ici, c'est qu'il y a bien une raison. Ça peut être effectivement au niveau sentimental ou avec une personne relationnelle, familiale, amicale, proche. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, pour ce tirage du 1er au 15 novembre. Les cancers, je regarde si j'ai une petite carte. Ouais, j'ai sorti l'oracle Soufi pour avoir juste une carte pour terminer. Cancer, 1er au 15 novembre 2021. Un conseil pour les cancers. Alors, on nous dit de faire confiance maintenant à votre intuition, à vos ressentis. C'est ce qui est important. Il faut laisser votre cœur vous guider. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous plaira, ces petites capsules. Merci pour vos retours. Et je vais faire le deuxième signe tout à l'heure. À bientôt. Merci du retour. Au revoir.